I've drawn for as long as I can remember. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours dessiné, même quand j'étais enfant. Adolescent, j'ai étudié l'écriture, puis la peinture à l'huile à l'université. Mais j'ai décidé d'associer les histoires avec les images, et c'est là que j'ai commencé à dessiner très sérieusement. En tant que consul des États-Unis pour la Nouvelle-Aquitaine, je suis très honoré d'être ici à Lavrac ce soir pour l'exposition de Paul Madonna. C'est un symbole de la forte amitié entre la France et les États-Unis sur le plan culturel. Je suis vraiment passionné de l'art de Paul Madonna et je félicite la ville pour ses efforts et ainsi que l'association William Blake. Pour nous, les Américains, nous sommes fascinés par la culture, littérature, cuisine française. Mais c'est aussi vrai que nous avons des atouts culturels aux États-Unis qui sont appréciés en France et qui fait une partie intégrale des forts liens entre nos deux pays. So, the being a painter. Être un peintre, je pense que l'art est inaccessible. On met des peintures sur un mur au musée et les gens se font beaux et ils viennent autant pour être avec d'autres personnes et même plus pour être avec d'autres personnes que pour voir des œuvres. Even more to be with other people than they do to see the art. But I loved books. Moi, j'aime les livres. Pour moi, le livre est le meilleur outil pour présenter des œuvres. Parce que quand on voit une peinture et on va être avec d'autres personnes, mais quand on est avec son livre, on est totalement seul. C'est comme quand on est dans son bain avec la lumière des bougies. On se régale de quelque chose de magnifique. Et j'ai voulu faire des choses pour des aventures personnelles plus que pour des aventures en groupe. Alors, je n'ai pas encore vu l'exposition de Paul Madonna, je viens d'arriver, mais je tenais particulièrement à être présent aujourd'hui parce que j'ai découvert cette association très dynamique, William Blake, l'an dernier, et ça avait été un moment de plaisir pour moi d'être parmi eux, de voir l'exposition de l'an dernier qui était une exposition de grande qualité qui nous avait montré des caricatures de Daumier, vous en souvenez certainement. Et j'ai appris toute la qualité des expositions de cette association, tout le travail en profondeur qu'il faisait aussi pour développer la présence de la culture en milieu plutôt rural. Donc j'étais particulièrement heureux de pouvoir venir aujourd'hui pour visiter cette exposition d'un grand artiste américain. Je vais donc regarder cela avec curiosité. Une fois de plus, je crois qu'il faut remercier tous ces présidents d'associations, tous ces bénévoles qui œuvrent vraiment parce qu'ils croient qu'il faut partager la culture. Ils pensent que la culture est universelle et ils nous montrent ici une exposition de qualité. So, I never wanted to work commercially. Je n'ai jamais voulu travailler commercialement. Je travaille seulement comme un réel artiste, mais j'adore publier et je publie dans un journal de San Francisco, le San Francisco Chronicle, depuis 12 ans et c'est pour ça que je fais des livres. Alors, je suis pris pour un artiste graphique ou un artiste commercial parce que je travaille pour l'édition. Mais je suis un artiste qui aime publier et du coup, je mélange différents mondes. Different worlds, and that was very intentional. Et c'est tout à fait volontaire. So, all of the drawings in this exhibition,
Tous les dessins de cette exposition ont été réalisés au cours des 15 dernières années. Ils ont été faits à l'encre, dans la rue. C'est-à-dire que je ne fais pas de dessin au crayon. Je dessine sur les sites et je dessine à l'encre. Il s'agit de voir une belle chose, de s'arrêter et la dessiner, et donc être très présent dans l'instant. Deux années après l'exposition de Deux siècles d'art, l'association William Blake France est heureuse de vous accueillir une nouvelle fois à la Vardac pour une exposition qui, personnellement, me remplit de bonheur. Un bonheur que toute l'équipe qui m'a accompagné pour la mise en œuvre de ce projet souhaite vous voir partager dès lors que vous aurez franchi le seuil de la salle d'exposition. Si cette exposition revêt pour moi un caractère particulier, c'est essentiellement parce qu'elle me rallonge dans un temps où, résidant aux États-Unis, j'ai eu le privilège à maintes reprises de côtoyer des artistes talentueux, au nombre desquels figure celui dont les œuvres vous sont présentées ce soir. En 2003, il a créé All Over Coffee, une série composée de 726 bandes, reprise en 2014 par le San Francisco Chronicle et se termine avec une histoire connue sous le nom de « Éviction série ». Une nouvelle absurde sur le boom technologique dans la baie de San Francisco qui sera suivie d'un livre édité en 2017, Onto the Next Dream. Son périple le mène ensuite dans d'autres villes américaines, New York, Los Angeles, mais aussi internationales, Paris, Rome, Amsterdam, Tokyo, Shanghai, Buenos Aires. En 2016, il publie son premier roman illustré, Close Enough for the Angels. Enfin, dans la bande dessinée Petite Pomme de Terre, il produit une série qui utilise des caractères délibérément rudimentaires, dessinés d'une main rapide et lâche. Aujourd'hui, l'association William Blake a l'immense plaisir d'accueillir un artiste dont le style bien particulier lui a fait sublimer des petites choses à côté desquelles nous passons sans faire attention. Un artiste qui a de la poésie au bout des doigts et qui, en acceptant notre invitation, a décidé de poser pour quelque temps ses valises en Albret, mon ami Paul Madonna. Pendant 3 semaines, Paul va donc sillonner l'Albret à la découverte de ses villes et de ses villages, et de ses paysages et de ses habitants. Nous doutons pas qu'au cours de son séjour, il trouvera les sources d'inspiration nécessaire pour de futurs dessins dont il nous donnera la primeur à l'occasion d'une présentation dans les salons de l'ancienne sous-préfecture de Nérac le 15 juin à 19h. Enfin, au nom de l'association, permettez-moi de remercier la municipalité de la Vardac pour son soutien indéfectible à nos activités culturelles. Et vous, public fidèle, sans lequel nous n'aurions pas le sentiment de véritablement exister. Nous vous souhaitons, toute mon équipe, une agréable soirée. Merci. What I believe the viewer gets from seeing drawings. Je crois que la vision que je montre, c'est cette sensation de présence dans l'instant. Les gens me demandent tout le temps, est-ce que j'ai pas peur de me tromper? Et je réponds que non, parce que quand vous allez au théâtre ou écoutez un concert, vous ne vous inquiétez pas de savoir si l'artiste va faire une erreur. Ce qui vous touche, c'est la réalisation. Ça fait partie de l'œuvre. Worry about whether the performer will make a mistake. No, what you are experiencing is the performance. That is part of their art. And again, that mixing of worlds. Et encore une fois, moi, je mélange les mondes parce que pour moi, je suis totalement en éveil. Quand je suis dans un lieu pour faire un dessin, parce que je ne peux rien fixer, je pense que cette vision ressort de mon dessin.
on ressent l'instant présent et les structures, et c'est grâce à ça que le dessin est vivant. Le Golden Gate, le célèbre pont de San Francisco. Dessiné à plusieurs reprises par Paul, il a été repris sur les affiches de cette exposition. Posé à l'embouchure de la baie, les tours implantées sur le détroit qui ouvre sur le Pacifique semblent relier l'Albret comme une main tendue, comme une illustration des propos de Victor Hugo, un art, point de frontière. Ce pont nous renvoie à l'activité culturelle sur l'Albret qui est portée par différents acteurs et notamment l'association William Blake. Chacun de vous dans la discipline qui est la vôtre et tous ensemble, vous participez à faire de notre bassin de vie une terre de culture, une terre de co-création culturelle. S'agissant d'une exposition internationale avec des artistes de deux pays qui nous sont chers, nous pourrions reprendre les propos d'André Malraux qui en 1969, à la conférence des pays francophones, s'exclamait « La culture ne connaît pas de nations mineures, elle ne connaît que des nations fraternelles. » I've traveled in France, I've traveled much in Europe over Je voyage beaucoup en France et en Europe depuis des années et j'ai rencontré André à San Francisco. And I love to travel and draw because Et j'aime voyager et dessiner parce que ça permet de voyager différemment. And I have to see what really makes Je dois ressentir vraiment l'environnement et ça m'oblige à faire très attention. I'm very aware that I'm drawing a place that is new to me. Et j'ai totalement conscience que je dessine un endroit qui est nouveau pour moi, mais qui n'est pas nouveau pour les gens qui y vivent. Et je veux leur montrer ce que je vois. Et j'espère qu'ils y verront la même beauté que j'ai moi-même ressentie. C'est ce que j'ai fait à San Francisco. Je ne sais pas si ils vont l'aimer comme moi, ou de la même manière que moi, et c'est ce qu'ils vont voir la même chose que moi, et c'est là qu'est la réussite de mon travail. Est-ce qu'ils vont trouver ça beau? Et quand je dessine ici, ce que je vais faire durant quelques semaines, et est-ce que je vais arriver à dessiner la même beauté que ce que les gens voient? C'est mon travail de montrer de belles choses. On a acheté avec mes parents l'étiquette Tambola pour pouvoir avoir le tableau. Et du coup, quand il y a eu le tirage au sort, je stressais. Et à un moment, quand j'ai entendu que c'était mon numéro, je me suis dirigée vers l'endroit. Ils m'ont pas cru, je leur ai montré. Et puis, ils ont compris enfin que c'était moi. Et du coup, j'ai remporté le tableau. San Francisco, c'est une belle ville. Moi, j'aime bien tout ce qui est raconté dessus. J'aime bien du coup le pont de San Francisco. J'ai vu beaucoup de photos de San Francisco. Je trouve que c'est une très belle ville et je rêverais d'y aller. Voilà. Et alors, on vous serre la main. Do you want to shake his hand? Shake hand. Thank you, Quentin. Nice to meet you. Je suis content.